Alors donc, bienvenue chers amis pour ce tutoriel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce modèle. Alors là, donc j'ai déjà réalisé les deux gilets. Alors c'est deux gilets identiques, donc même dimension, même nombre de boutons. Et donc cela va nous servir pour la suite, donc pour notre modèle. Donc vous allez réaliser les deux gilets à l'identique. Voilà. Alors donc moi j'ai déjà réalisé le premier modèle. Voilà. Alors c'est comme j'ai dit au début, donc les deux gilets doivent avoir les mêmes dimensions pour que notre modèle soit réussi. Donc vous aurez à avoir donc 4, donc vous aurez 4 boutons. Et donc là le gilet blanc il est fini, on va passer donc au gilet jaune. Donc même dimension, même nombre de mailles, même nombre de boutons. Alors vous allez prévoir des marqueurs pour la réalisation de l'encolure. Donc on va commencer par monter 18 rangées en côte de 1. Donc, vous prenez des aiguilles numéro 3 pour le col. Vous montez au total 72 mailles. 72 mailles. Et vous allez monter 18 rangées en côte de 2-1. Vous voyez, c'est très facile. Vous faites donc 2 mailles à l'envers. Une maille tricotée à l'endroit, deux mailles tricotées à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, deux mailles tricotées à l'envers. Et vous répétez sur toute la rangée. Lorsqu'on termine donc la première rangée par une maille à l'endroit, deux mailles tricotées à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, deux mailles tricotées à l'envers. Et la dernière maille donc devait être à l'endroit, je vais la tricoter à l'envers, c'est pour avoir donc une lisière bien ferme. Lorsqu'on va tourner la rangée, on tourne le travail pour la deuxième rangée. Donc, on prend les mailles comme elles se présentent. Vous glissez la première maille. Vous faites deux mailles à l'endroit, une maille tricotée à l'envers. Deux mailles tricotées à l'endroit, une maille tricotée à l'envers. Et vous répétez la séquence sur toute la rangée. Voilà, donc vous allez répéter ces deux rangées sur 18 rangées. Donc, vous allez monter 18 rangées du point de ce côte pour le col de notre ouvrage. Là, c'est comme j'ai dit, mesurer, monter 18 rangées, il va avoir la même hauteur pour le col. Voilà, donc la réalisation du col terminée. Je vais mesurer, donc vous devez avoir la même hauteur pour les deux ouvrages. Voilà, donc 18 rangées du point de côte de 1. Et on va laisser les aiguilles. Donc, alors pour le reste, pour la formation de l'encolure et pour donc pour le col, on va faire la même chose. Allez voir. Alors, on va passer aux aiguilles numéro 4 pour le reste de l'ouvrage. Donc, on va prendre des aiguilles numéro 4 pour la réalisation de l'encolure. Voilà. Donc, alors, pour l'encolure, c'est simple. Donc, je vais le modèle, je l'ai déjà en ligne. Donc, vous allez montrer 4 motifs de feuilles. Vous aurez à réaliser 3 jetés de chaque côté. Et pour la bande donc des boutonnières, vous allez monter 3 ranges, 3 barres de points mousse. Vous allez réaliser la première boutonnière. Après,
8 barres de pois mousse, la seconde boutonnière. On va voir. Donc, de fer. On va ouvrir ici. Voilà. Alors, donc, 1, 2, 3. La troisième barre du pois mousse, vous réalisez la boutonnière. 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la septième rangée, vous réalisez la septième barre de pois mousse, vous réalisez la deuxième. 3, 4, 5, 6, 7. La troisième, c'est après 8 barres de pois mousse. La quatrième, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La quatrième, c'est après 8 barres de pois mousse. Et la dernière boutonnière, c'est après aussi 8 barres de pois mousse. Et vous montez 2 barres de pois mousse avant la formation de la bordure. Voilà, donc on passe aux aiguilles numéro 4 et à la formation donc de l'encolure. Alors donc de chaque côté on aura 5 mailles qui vont être toujours tricotées à l'endroit, donc c'est pour la bande de boutonnière comme on a dit tout à l'heure. Vous faites donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Vous posez un marqueur et on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles pour le premier devant. Vous faites un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, on place un marqueur et pour la manche, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles pour la manche. On pose un marqueur, on fait un jeté, une maille à l'endroit. Alors, une maille à l'endroit, un jeté, on pose un marqueur et on va tricoter 22 mailles pour le dos. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc on fait 22 mailles pour le dos. 22 mailles pour le dos. On pose un marqueur. On fait un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. De nouveau, on pose un marqueur. Et on va tricoter 10 mailles pour la manche. On va faire un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. Et on va terminer par 8 mailles à l'endroit pour le second devant. Et on va terminer donc la rangée par 5 mailles, toujours tricotées à l'endroit pour la bordure. On pose un marqueur et on termine par 1, 2, 3, 4 mailles et la dernière maille. Donc vous allez glisser la dernière, tricoter la dernière maille à l'envers. La première rangée de l'encolure terminée. On va passer à la rangée retour. Voilà. Donc on met les aiguilles numéro 3 de côté. Alors la rangée retour, on va tricoter toute la rangée à l'envers sauf les 5 premières et les 5 dernières mailles que l'on va tricoter à l'endroit. Donc vous allez tricoter 5 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'envers et le jeté, vous allez aussi les tricoter à l'envers. Donc vous tricotez les mailles
qui sont entre les 5 premières et les 5 dernières mailles, vous les tricotez à l'endroit, y compris le JT, et on va tricoter, pardon, à l'envers, et le JT, vous allez simplement les tricoter à l'envers, donc ça vous fait 2 mailles, une maille augmentée pour le devant, 2 mailles pour la manche, et 2 mailles côté dos aussi. Donc on va terminer la rangée par 5 mailles tricotées à l'endroit. C'est fait 1, 2, 3, 4 et la dernière maille tricotée à l'envers. On tourne le travail donc pour la troisième rangée de la formation de l'encolure. Donc les 5 premières mailles toujours tricotées à l'endroit. Alors ici, comme j'ai dit tout à l'heure, la première boutonnière, on va la réaliser après 3 barres de point mousse. On prend donc 8 mailles. Donc on va répéter la première rangée. C'est simple, vous allez répéter la première rangée 3 fois pour la formation de la première feuille, donc du premier motif. On fait un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Et vous allez prendre les 10 mailles pour la manche. Donc vous allez répéter la séquence. 3 mailles ici. Répétez la séquence sur toute la rangée. Alors, après avoir répété la séquence toute la rangée, donc on va terminer par les 5 mailles tricotées à l'endroit donc pour la bordure. Et pour la rangée retour, c'est comme la rangée numéro 2. On va tricoter les 5 premières mailles à l'endroit et le reste des mailles, on va les tricoter à l'envers et on va terminer par 5 mailles tricotées à l'endroit. Voilà, on termine la quatrième rangée donc par 5 mailles tricotées à l'endroit. Alors toujours la dernière maille est tricotée à l'envers. Et pour la rangée retour, on va glisser la première maille. Voilà, donc comme je disais, la première boutonnière, c'est après 3 barres de point mousse. Donc mesurer, réaliser ici la première boutonnière. 2, 3 barres de point mousse, 3 je crois, tout à l'heure. Mettre ça de côté. Donc on passe le fil devant, on glisse la première maille, je tricote 2 mailles, je fais un jeté pour la première boutonnière, je tricote 2 mailles ensemble. Voilà, la première boutonnière réalisée. Et on continue avec la formation du premier motif de notre encolure. On fait de nouveau, donc on va répéter la première rangée. On fait 8 mailles tricotées à l'endroit. On glisse le marqueur, on fait un jeté. Cette fois-ci donc 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté. On tricote les 10 mailles de la manche et on répète la séquence sur toute la rangée et on va terminer par 5 mailles à l'endroit. Donc vous allez répéter la première rangée, donc cela 3 fois pour chaque motif. Voilà. On termine donc par 5 mailles tricotées à l'endroit. La rangée retour, c'est toujours la rangée numéro 2, donc 5 mailles à l'endroit et le reste des mailles, on va les tricoter à l'envers.
Alors ici, je vais mettre de côté ce marqueur parce qu'il va me servir pour la formation du second motif de notre encolure, de notre encolure. J'y vais parce que j'ai... Voilà, donc pour chaque motif, on va faire 3 augmentations de chaque côté. Donc on va terminer la rangée par les 5 mailles de la bordure. Alors donc pour avoir disons le trou de boutonnière un peu ferme qui va pas laisser passer le bouton facilement, donc vous allez croiser le jeté. Alors, pour les deux ouvrages, vous allez placer les boutonnières du même côté, soit à gauche ou à droite. Cela ne dépend que de vous, mais moi, je fais souvent à gauche. Donc, vous allez utiliser, vous allez réaliser les boutonnières sur le côté qui vous semble donc le mieux. Donc, moi, je fais du côté gauche. Vous pouvez faire du côté droit ou côté gauche. Donc, on va répéter la première rangée. Voilà. Donc, après avoir fait les 3 jetés de chaque côté, on va continuer. Donc, on va recommencer, on va reprendre à la rangée numéro 1. Donc, on a 5 mailles de la bordure. On glisse le marqueur. Cette fois-ci, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles. Donc, je laisse de côté. Je fais donc 9, 10 et 11 mailles. Voilà. Je vais placer le marqueur donc pour... Recommence pour former un nouveau motif, un jeté, une maille à l'endroit un jeté. Je place le marqueur. Je vais replacer donc les 3 mailles augmentées sur les mailles de la manche. Donc ça fait 10 mailles, 13, 14, 15, 16 mailles après la formation du premier motif de notre encolure. On laisse le marqueur, on récupère les 3 mailles. De nouveau, on place le marqueur et on fait un nouveau motif. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Les 3 mailles, on va les mettre côté dos. Voilà, voilà, on va recommencer donc la première rangée. Et cela 3 fois de suite avant de recommencer un nouveau motif. Donc au total, comme j'ai dit, vous allez monter 4 motifs pour la formation de l'encolure. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Donc, vous recommencez la première rangée. Donc, on va monter, comme j'ai dit, 4 motifs. Donc, à chaque fois que vous terminez un motif, vous récupérez les 3 mailles augmentées et vous les placez sur les parties concernées. Donc, très simple comme modèle. On fait donc 3. Ça fait 16 mailles pour la manche. On pose un marqueur. On fait un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. Un marqueur. Et les 3 mailles vont aller
sur le second devant. Donc on va terminer par 5 mailles de la bordure. Alors vous répétez, faites donc 5, vous allez répéter donc la séquence, le premier motif pour la formation de notre encolure. Voilà. Vous répétez chaque motif, vous allez répéter 4 fois le motif pour avoir donc notre encolure avant de passer à la suite de notre réalisation.